pilotes Raven West, Nathan McKen et Lara Carvalho mènent la course ici à Strada Alpina. Mais la pilote Seneca Yume Tanaka ne les lâche pas et les suit de près depuis 8 tours. Pourrait-elle inscrire son nom dans l'histoire des Grid World Series aujourd'hui? Valentin Manzi se retrouve seul face au reste du milieu de plateau. Il essaie de remonter, mais la North Point lui bloque le passage. Impossible de dépasser, dis-lui de défendre. Je m'étais levé du bon pied. Il faisait beau au dehors. L'écurie se faisait enfin remarquer. La numéro 22 défend sa position. Bien joué, 22. Continue comme ça. Seneca sort de la caverne aux merveilles cette année. Yume Tanaka se rapproche dangereusement de Carvalho. Elle va tenter un dépassement. Elle s'élance. Raven West l'oublie. Il est bien plus facile d'attaquer que de mener. Et c'est passé! On pensait Raven West indétrônable, mais ils ont une sérieuse concurrence cette année. Yume était vraiment en forme, mais il restait encore beaucoup de tours. Je savais ce que j'avais à faire. Juste réduire l'écart, quoi qu'il en coûte. Lara, récupère ta position. Je vais essayer. Laissez-moi gérer ça, je compte pas la laisser passer. McKen versus Tanaka. Quelle course incroyable pour Seneca. Pression. Ok, 22. Il y a trop de débris sur la piste. Il faut que tu rentres. Négatif. On n'abandonne pas. Je répète, on n'abandonne pas. Adou, il y a de gros dégâts sur la 22. Et Yume ne répond pas. Elle va bien? Les secouristes sont arrivés. C'est tout ce que je sais. Concentre-toi sur la course. Tiens-moi informé. Confirmation de la stratégie. La moitié de la grille est hors course. Si on finit, on est forcément dans les points. Ce serait de la folie d'abandonner. Compris. 22, finis la course. Go! Go! Pas de défaillance majeure. Contente-toi de franchir la ligne. Pilotes Raven West, Nathan McKen et Lara Carvalho mènent la course ici à Strada Alpina. Tanaka repère une ouverture. C'est maintenant ou jamais. Oh, contact! Dans ces moments-là, on ne peut espérer qu'une chose, c'est que les pilotes vont bien. Ça tourne? Ouais? Ok. Je suis Marcus Addo, directeur de l'écurie Seneca Racing. Salut ma belle. Non. Il y a ce dîner avec le conseil d'administration demain. Ouais. Certaines personnes naissent dans ce milieu. C'est pas mon cas. Mes parents tiennent un restaurant nigérien au sud de Londres. Et pour eux, le succès ne se mesure pas avec des plats extravagants ou des ingrédients chers. L'important, c'est de croire en ses employés et de toujours viser plus haut. Quand j'ai eu l'opportunité de diriger une écurie, j'ai suivi leur modèle. Bonjour, chef.
Mais qui voilà? Alors, pour ceux qui vivent dans une grotte, voici Yume Tanaka. C'est une vraie légende. On peut parler du nouveau système de freinage? Oui. Marcus Addo est un vrai prodige. Il venait de fêter ses 25 ans quand il a convaincu les directeurs de Seneca d'embaucher de jeunes inconnus et de le laisser... Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez rejoindre vos places dans les gradins. Les pilotes s'apprêtent sur la grille et le départ ne va plus tarder. Il a obtenu de bons résultats récemment. Bon boulot! Je doute que ta performance soit passée inaperçue auprès d'Addo. Quelle course! Nous avons vu de belles performances en piste aujourd'hui. Auront-elles de quoi impressionner Seneca? Je suis à la recherche d'un diamant rare.
T'as entendu ça? Mark Sado est à la recherche d'un coéquipier pour Yume Tanaka. On dirait qu'ils sont à court d'options. C'est le moment de te faire remarquer. T'as rien à perdre, alors donne-toi à fond. Sentiment que tu vas recevoir un appel de sa part d'ici peu. Félicitations! Quel superbe pilotage de la part des pilotes! On en a eu pour notre argent! Je suis certain qu'au moins l'un de nos jeunes pilotes aura attiré l'attention de Mark Sado à l'issue de cette belle épreuve. Cesse pas pour Seneca. En effet, plusieurs de leurs pilotes ont été impliqués dans des incidents lors de ces essais. Pas d'erreur cette fois. Recommence, mais doucement l'accélération. T'inquiète, les dégâts sont superficiels. Ici Ajit Singh, ingénieur en chef. On a rencontré quelques pépins avec nos pilotes d'essai. Et j'ai toujours besoin d'aide pour les réglages. Alors, boucle quelques tours et ramène la voiture en un seul morceau, s'il te plaît. Voyons de quoi cette voiture est capable. Allez, à l'attaque. Ok, 22. Il faudra que tu restes proche de Yume pendant la première course. Alors profite de ces essais pour t'habituer à la voiture.
J'adorerais te voir partir en dérapage. Ma mère disait toujours, c'est le fermier qui prépare le dîner. Ça veut dire qu'il faut s'adapter aux ingrédients qu'on a. Je suis parti voir un pilote et j'en ai trouvé un autre. En lui parlant, j'ai été impressionné, alors j'ai fait une offre. Et cette conversation vous a impressionné? En effet. Voyez, pour moi, si une personne est capable de grandes choses, ça ne se limite pas aux performances. Nous apercevons la Seneca numéro 22 sur la grille pour sa première apparition en semi-pro. Marcus Addo a fait le tour de ses pilotes de réserve et cette nouvelle recrue représente les derniers espoirs de Seneca. C'est un lourd poids à porter pour de jeunes épaules. Un abandon de sa part et Yume Tanaka sera seul à porter les couleurs de l'écurie. Un scénario catastrophe pour Seneca. Bon, 22. Rappelle-toi des consignes d'Addo. Essaye de tenir un rythme similaire à celui de Yume, mais ramène la voiture en un seul morceau. Bon, c'est ta première course. Pas la peine de rembourser si possible aujourd'hui. Contente-toi de faire une belle course et de rester proche de Yume. Montre-moi de quoi t'es capable. We'll be right back.
Lara. C'est la première course pour le nouveau duo Seneca et ils empochent déjà les points. Marcus Addo a-t-il enfin trouvé l'ingrédient manquant dont il nous parlait ? D'élimination, vous devez vous trouver hors de la zone de danger quand le compte à rebours arrive à zéro. Autrement, vous serez tout simplement éliminé. Le compte à rebours est ensuite réinitialisé et les pilotes en queue de peloton se retrouvent alors en zone de danger. Les voitures sont éliminées jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. N'hésitez pas. Nous sommes en direct avec le directeur de l'écurie Seneca, Marcus Addo. Marcus, vous avez. Il faut qu'on soit aussi compétitif que Volt. C'est notre piste d'entrée pour la Pro League. Thank you for your moment, rythme 22. Il faut qu'on décroche de bons résultats. We'll be right back.
et ils nous ont fait vibrer au rythme des éliminations aujourd'hui. On espère que vous vous êtes régalés et on vous dit à très vite pour la suite des Grippant Series. Je m'appelle Yume Tanaka. Je suis la pilote numéro 1 de Seneca depuis plus de 3 ans maintenant et mon objectif est d'être la première femme à remporter. Après la dernière course, je pense que Valentin Manzi va vouloir faire taire les critiques et tous ceux qui ont déclaré que la Seneca numéro 20... J'espère qu'Adji t'a trouvé un bon réglage pour les suspensions.
7. On a de quoi rivaliser avec Volt. Il faut qu'on leur mette la pression. De remonter le peloton. Ils
premier tour a donné 1-0.